Est-ce que quand vous voyez quelqu'un, par exemple un arabe ou un chrétien? Ah, c'est pas la même chose, hein. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Le mental, ça change. Laisse-le finir. Ah oui, pardon. Rien à voir, mais ils sont quand même assez proches comparés aux Noirs et aux Chinois. C'est relatif. Moi, jusqu'à maintenant, je comprends pas les Chinois. Ben alors justement. Ils restent que entre eux. Donc, ils ne mélangent pas. Donc, pourquoi vous dites que les Arabes et les... Les Noirs, oui. Ils mélangent, oui, je comprends. Pas parlé des Noirs non plus. Oui. Pourquoi j'ai parlé? Vous savez même pas ce que j'ai dit. Est-ce que quand vous voyez un Noir, vous savez qui il est? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les distinguez entre les Noirs? Non, ils sont tous pareils. Non. Non, ils sont différents. Mais il faut être sensible pour les connaître. On reconnaît un Malien, on reconnaît un Soudanais. Donc ça, c'est des groupes, mais individuellement. Tu peux pas les connaître. Les groupes, oui, on peut connaître un groupe. Sauf les dents, tu les connais parce que c'est blanc. On parle des personnes, on parle pas des groupes. On parle pas des Maliens. On dit, est-ce que... Il parle pas d'étrangers, il parle des groupes. Est-ce que vous pouvez distinguer un Malien d'un autre Malien? Non. Ils sont tous pareils. C'est noir, tu vois rien, mon frère. T'es bête ou quoi? Normalement, non. C'est noir, on voit rien. Donc, de ce côté-là, vous voyez bien qu'il y a une différence. Alors que par contre, un arabe, vous les distinguez entre les arabes? Ah oui, là, on voit, oui. Bah oui. Alors, voyez-vous? Et les... Parce qu'on est blanc, c'est pas pareil. Vous avez dit qu'entre les Européens et les Arabes, il n'y a pas de rapport. Je ne sais pas, tu parles de quoi? De connaissance ou... Non, mais est-ce que vous... Parce que moi, je parle de connaissance. Connaissance. Oui, alors, bon. Les gens qui sont... Un noir, attends, je comprends ce que tu veux dire. Un noir, son visage, c'est tous pareil. Mais un arabe ou un français, son visage, il est métissé. Voilà. Pas métissé. Qu'est-ce que c'est métissé? Différents visages. Mais c'est pas métissé, qu'est-ce que vous racontez? C'est un mot qui est complètement à côté de la plaque. Oui, mais différents visages. On sait que c'est un arabe, on sait que c'est un français. Non, c'est pas la question. On n'est pas en train de dire. Est-ce que vous distinguez les arabes entre eux? Les français entre eux. Je ne dis pas de distinguer les français et les arabes. Je distingue les individus au sein d'un groupe. Je ne sais pas là. On vient de vous le dire, on n'est pas en train de distinguer. On dit les Arabes. La question, est-ce que chaque Arabe est différent? Oui. Bon, alors voyez-vous. Parce que c'est la mer Méditerranée. Arabe. Ça touche l'Italie, l'Espagnol, le Turc, le non. Grec. Je reconnais un Marocain et un Algérien. Mais on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler, est-ce que vous distinguez les Marocains entre eux? Entre eux, on vous dit... Ah, par la voix, par le son. C'est ça que vous voulez dire? C'est... Non, mais on pose... Par la parole. D'abord, qu'on est différent. Vous pouvez parler moins fort. D'accord, pardon. Oui, j'ai compris, je veux dire. C'est pas la parole, c'est différent, la parole. Non, la parole, quoi la parole? Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? La langue, c'est pas pareil. Quoi, la langue, quoi la langue? Qu'est-ce qu'il y a avec la langue? Ben, on n'a pas le même visage. Ah oui, il y a pour le point, on parle de la langue. Oui, excuse-moi. Ça part dans tous les sens, votre truc. Oui, oui, on n'a pas le même visage. Alors, qu'est-ce qui change d'un visage à l'autre? Alors, le visage noir, ils sont tous pareils. Non, mais d'accord, mais je parle des visages... Même les Chinois, c'est pareil. Hein. Les visages des Européens, qu'est-ce qui les distingue entre eux? Qu'est-ce qui distingue un visage d'un Européen d'un autre visage européen? Ça, je ne comprends pas. Mais enfin, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à distinguer les Arabes et les Noirs entre eux. Oui. Vous arrivez à distinguer les Européens entre eux. Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, là? Ben, les Européens, c'est comme les Arabes aussi.
Ils sont différents. Eh bien alors pourquoi vous dites... Alors ben voilà. Donc ils sont différents entre eux. Oui, voilà. Voilà. Alors comment? Mais je sais la réponse déjà. Non mais vous dites n'importe quoi. Là, il y a une seconde, vous êtes, vous savez même pas répondre. Oui, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il distingue entre eux? Qu'est-ce qu'il distingue entre eux? Il veut dire quoi par là? J'ai pas compris là. Vous dites qu'ils sont différents. En quoi ils sont différents? Ben, le visage. En quoi ils sont différents par le visage? Qu'est-ce qui dans le visage est différent? Qu'est-ce que vous regardez dans le visage pour savoir qui est là, en quoi cette personne est différente? Qu'est-ce qui vous frappe? C'est les yeux, le nez, la bouche, les oreilles? Ah, les cheveux. La coupe, non, ça ne va rien dire. Mais il veut dire, ah bah, il y a des Européens, ils sont les yeux bleus, il y a des Européens, ils sont les yeux verts. On parle pas de ça, on parle des individus. On parle pas des Européens, on parle, est-ce qu'un Européen A est différent d'un Européen B? Vas-y, à toi. Moi, j'ai pas compris encore. J'ai compris la moitié. Vous êtes très, très difficile à comprendre, hein, franchement. C'est dur, hein, quand vous êtes tous les deux, là. Vous avez deux Européens, comment est-ce que vous les distinguez? D'abord par la langue. Ou la langue. Il a raison, j'ai compris. La langue, quelle langue? Non, c'est pas ça. Différence. Mais non, on parle de gens qui parlent la même langue. On parle pas. Bah, tu prends. Excusez-moi. Tu prends allemand et tu prends un français, c'est pas pareil. On parle pas des Allemands, on parle des individus. Oui, mais je comprends pas. Les Allemands entre eux. Comment vous les distinguez entre eux, les Allemands? Les Allemands, on parle des. En tant qu'un même groupe, comment vous les distinguez? Oui, mais je comprends pas ce que tu veux dire par là. Alors expliquez-lui. Et pourtant, je donnais tout. Hein. Quoi? Vas-y, allez. Même lui, il a du mal aussi. Non, mais vous, enfin, écoutez, je vous assure que vous êtes vraiment, ce soir, vous êtes vraiment très, très, très bas. Hein. Vous avez 10 Allemands, comment vous les distinguez entre eux, les Allemands? Par la taille? Entre eux! Un Allemand, il comprend même pas le français. Comment? Si, je comprends. 10 Allemands, ils sont différents en quoi? Comment vous savez comment? Le visage. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Entre eux. Pas par rapport aux Chinois ou je sais pas quoi. Entre eux, comment vous les distinguez? Il a dit tout à l'heure qu'on n'arrivait plus à dire. Vous avez dit qu'on pouvait pas distinguer les Noirs entre eux. Oui, ça je sais. Bon, alors maintenant vous dites que les Allemands, on peut les distinguer entre eux. Oui, mais je sais pas où c'est quoi. Mais vous venez de dire qu'on pouvait. C'est vous qui dites ça. Vous dites qu'on peut pas les distinguer, ou on peut les distinguer par quoi, par comment, pourquoi? Pourquoi on peut pas distinguer les? Pourquoi on peut pas? Ben, soyez cohérents, soyez clairs. Bah, les Allemands, différents visages. On parle pas des Allemands, on parle des individus en Allemagne. On n'est pas en train de parler des Allemands. On vous dit, comment vous distinguez un groupe, des gens d'un même groupe? Comment vous les distinguez entre eux? D'un même groupe. Ah oui, je compris, ça y est. Bah, il y a des faibles. Il y a moins fort, il y a moins fragile. Non, mais s'en fout de ça. Est-ce que vous les distinguez d'après leur visage? Vous dites qu'on ne peut pas distinguer les Africains entre eux. Oui, ça c'est très connu, ça. Alors maintenant, en quoi on peut distinguer les Allemands entre eux? Bon, vas-y, j'arrive pas à trouver. Comment? Quoi? Entre d'Européens, j'arrive pas à trouver. Vous dites qu'on les distingue. Vous dites que justement les Européens, on les distingue, les Africains, on les distingue pas. Donc, pourquoi on les distingue, les Européens? J'ai compris ce que tu veux dire, mais c'est bloqué là. Alors, comment on les distingue? Lui aussi, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui distingue Christophe de Jean-Marc, de Serge? Qu'est-ce qui les distingue? Ah, parle la manière. Mais quoi? On est en train de parler de ça, dans un chien. Hein? Bon, alors quoi? Qu'est-ce qui les distingue? La manière, c'est quoi la manière? Ça veut rien dire, la manière. Ah, par le comportement. Oui, voilà, c'est ça.
Non, mais quand vous les voyez, qu'est-ce que vous les, comment vous les distinguez? Bah, ils sont différents. Non, attendez, on ne prend pas des mots qui ne veulent rien dire. Ils ont la même éducation. Non, mais en quoi ils sont différents? Ah bon? C'est dur, oh putain. Oh, c'est dur, écoutez, vous avez, c'est comme l'histoire de tout à l'heure des élections. C'est vraiment à un niveau complètement bêtise. Mais même lui, il n'arrive pas à trouver. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est idiot? Là, non, là, tu me dis par rapport à Jean-Marc et par rapport à l'autre... Ah, parce que Jean-Marc, il a lunettes et l'autre, il n'a pas lunettes. Non, mais écoutez, on n'est pas en train de parler de lunettes. Bah, je sais pas. Et vous-même, vous dites vous-même qu'on peut les distinguer. Oui. En quoi on les, comment on les distingue? Par le visage. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont le visage les distingue? C'est ça, je suis bloqué, là. Je dis un truc bien, mais l'autre, je suis bloqué. Ah, la bouche, le nez, oui, mais oui, les oreilles, oui. C'est pas les mêmes. Non. Le nez, ils sont pétés, le nez, ils sont grands. Oui. C'est ça la réponse? Non, c'est un début de réponse. Oui, ah, c'est un, bon, c'est un début de réponse. Oui. Oh, on est arrivé. Ok, je suis prêt presque. Vas-y, aide-moi. Pourquoi tu rigoles? T'es malade, toi? T'es pas normal ou quoi? Vas-y. Ah, la bouche? Je sais pas, je vous demande comment vous fonctionnez. Vous allez me dire que vous n'arrivez pas à distinguer les Africains entre eux. Donc qu'est-ce qui manque chez les Africains que vous trouvez chez les Européens? Je ne sais jamais s'ils comprennent le français en plus. Si, je comprends. Quand on lui parle, on ne sait pas s'il n'a pas compris la langue ou s'il n'a pas compris ce qu'on lui dit. Non, je comprends la langue très bien. Oui, ben, je n'ai pas sûr. Si, c'est toi qui penses. Qu'est-ce que ça? Ah, c'est les dents blancs. Vous regardez les gens, les dents des gens, les dents des différentes personnes, c'est ça qui vous... Mais là, tu me dis les blancs, comment tu vois? Non! Je vous dis les individus. Oui, j'ai compris. Bon, on va pas regarder leurs mains, dents. Oui, je leurs dents, qu'est-ce qu'on a foutu des dents? Bah, je sais, moi, les noirs, c'est pas comme les blancs, ça je sais. C'est insuffisant comme réponse, voilà. Mon ami. Les noirs, tu peux pas les connaître parce qu'ils ressemblent tous pareils. Bon, alors, est-ce que c'est vrai qu'ils sont tous pareils? Alors, les Français, on les distingue. Les Français qui sont pas noirs, on les distingue. Je pense, oui. Mais vous savez pas comment, Nico, vous savez pas comment vous les distinguez? Bah, par le visage, viens-tu dire? Non, mais en quoi? Qu'est-ce qui est... Bon, écoutez, on va pas discuter indéfiniment. C'est fatigant, hein, bon.